à mon aide. Seigneur, viens en secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Oui.
vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Et je riposte sur ta bonne parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Et j'observe ta loi sans le marché. Je sois au large à ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et nos règles le rendent. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Psaume 130. De l'arbre saint de Jessé, un rameau va fleurir. Sur toi, Vierge Marie, a reposé l'esprit. De l'arbre saint. Seigneur, je n'ai point le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni le prodige qui me dépasse. Non, je tiens mon âme en paix et silence. Mon âme est en moi comme un enfant. Ton espoir, Israël, dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. De Psaume 131. Garde mémoire David, Seigneur de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. Point n'entrerai sous la tente de ma maison, point ne monterai sur le lit de mon repos. Point ne demeurerai de sommeil et point de répit à mes paupières. Que je ne trouve un lieu à mon Seigneur, un séjour au puissant de Jacob. Voici, on parle d'elle à Néphrata, nous l'avons découverte au champ du bois. Entrons au lieu où il séjourne, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Seigneur, de ton repos, toi et l'arche de ta force.
pieuse, faite de justice, tes fidèles jubilent de joie. À cause de David, ton serviteur, n'écarte pas la face de ton Christ. Le Seigneur a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte. C'est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi. Si tes fils gardent mon alliance, mon témoignage que je leur ai enseigné, leurs fils eux-mêmes à tout jamais siégeront sur le trône fait pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Simon, il a voulu ce siège pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais, là je siégerai, je l'ai voulu. C'est juste, je le bénirai de bénédictions. Ces pauvres, je les rassasirai de pain. Ces prêtres, je les vêtirai de salut, et ces fidèles jubileront de joie. J'affermirai la race de David, j'apprêterai une langue pour mon Christ. Je vêtirai ses ennemis de honte, et sur lui fleurira son diadème. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a rempli d'être vivant. Il envoie le miel et le pain, il le rappelle et l'obéit au tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elles brillent avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens, Jacob saisira, marche vers sa splendeur, sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles, Amen. De Don Guilleran, face à Dieu. Grandeur de Dieu, néant de l'homme. Toute la religion est réglée par cette double réalité dont elle fait un tout unique que l'amour cimente et régit. Dieu est, l'homme n'est pas. Dieu et être, c'est tout un. L'homme n'est que si Dieu lui communique l'être. Voilà pourquoi le Notre Père est la prière parfaite et la parfaite expression de la vie religieuse.
Le Père, c'est sans doute celui qui donne tout, mais c'est aussi celui qui est. Il ne donne que parce qu'il est ce qu'il est. Dans ce mot d'amour, toutes les splendeurs de la création sont ramassées. Il faudrait les y voir quand on le prononce. Il faudrait, d'un rapide regard, se représenter ces créatures innombrables dont nous ne connaissons qu'une infime partie, qui nous enchantent ou nous éblouissent, qui supposent tant de sagesse, de puissance. Et il faudrait adorer ces perfections dans celui qui, au fond de nos âmes, se donne, nous constitue, nous communique tout ce que nous avons d'être et de vie. Alors nous nous tiendrions à ses pieds, devant sa face, dans la vérité de notre néant, qui est l'humilité. Dieu veut cette attitude. Il ne peut pas ne pas la vouloir. Elle est le point de départ de toute son action en nous, le fondement de l'édifice qu'il veut construire. Il l'attend. Il l'a fait. Il est obligé d'attendre et de la faire avant de commencer. C'est elle qui nous tourne vers lui. Avant de la voir, nous sommes tournés vers nous-mêmes. Louez le Seigneur, tout le peuple, célébrez sa bonté. Louez le Seigneur, tout le peuple, célébrez sa bonté. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains.
Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait de justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi. Destinés d'avance, appelés, justifiés, glorifiés. Par ces quatre mots, l'apôtre Paul nous dévoile pas seulement notre destinée, mais avant tout le mystère même de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui nous appelle, qui nous justifie et nous glorifie, et à qui nous sommes destinés d'avance à être configurés. Quand nous nous réjouissons d'une fête de la Vierge Marie, c'est cela que nous célébrons de façon parfaitement réalisée. La Vierge Marie est bienheureuse et elle nous appelle à devenir heureux du bien auquel elle-même a adhéré totalement. Et ce bien, quel est-il ? Celui d'avoir, depuis toujours, était prédestiné dans le cœur de Dieu, choisi par lui dans l'amour du Fils, appelé, justifié et glorifié en lui. C'est cela qui est bienheureux chez la Vierge Marie. Et quand nous célébrons sa fête, c'est cela qu'elle veut nous offrir. Elle veut que nous prenions une conscience plus vive, non pas de ce qu'elle est, mais de ce que nous sommes appelés à être. Elle est pour nous le miroir, la figure, la mère, c'est-à-dire celle qui veut nous engendrer dans ce bien d'éternité. Or, tout nous a été donné, mais rien ne sera achevé sans notre adhésion libre à ce don. Comme toute créature humaine, la Vierge Marie a dû elle-même adhérer à la grâce de cet appel, de cette justification et de cette glorification. Il a fallu qu'elle engage toute sa liberté en un oui, un amen, un consentement intérieur d'une ouverture totale au don que Dieu lui avait fait. Sur les pas de Marie, nous aussi, il nous faut collaborer à l'œuvre de Dieu, y adhérer par la foi, y collaborer par notre liberté, c'est-à-dire répondre librement au don que Dieu nous fait, don du salut reçu dans le baptême et qui doit s'incarner en notre propre vie. Dans la lumière de cette fête de la Vierge Marie, demandons-lui de nous apprendre à vivre totalement en collaboration, en cohérence, en cohésion profonde avec ce bien de salut qui l'a rendue heureuse. Thank you.
Christ Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Christ Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. En ce jour où pour le monde commence le salut, avec Marie, ta mère, ô Christ, nous t'adorons. Donne-nous de te donner au monde en faisant la volonté du Père. Christ Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. En ce jour où dans le monde naît une Ève nouvelle, avec Marie, Mère des hommes, ô Christ, nous t'adorons. Fais de nous tous ton corps, vivant de l'accomplissement des volontés de Dieu. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. En ce jour où se lève l'étoile du matin, avec Marie, la Vierge Immaculée, ô Christ, nous t'adorons. Fais-nous devenir des saints, selon l'éternel dessein d'amour du Père. Christ Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Tu es saint, Dieu, tu es saint, fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint, Dieu, tu es saint, fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint, Dieu, tu es saint, fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, à tes serviteurs, Dieu très bon,
tes richesses de grâce. Puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Seigneur, annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, et le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, et le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des